Il est là! On se tire! Partez pas déjà! Je viens d'arriver! Non, vous avez l'air vraiment pressé! Mais je suis sûr que ça n'a rien à voir avec toute la marchandise volée que vous emportez! Je suis sûr que c'est un énorme malentendu, pas vrai? La police sera bientôt là pour vous aider à rendre ce que vous avez accidentellement volé! Ne bougez surtout pas, je vais aider vos amis. Faut que je rattrape l'autre camion. Il est sur le toit! Ah si, vous m'avez vu! Bon, vous gagnez cette manche et vous remportez un aller simple pour Rikers. Bon, plus que deux. Finir par tuer quelqu'un! C'est quoi ce machin? Un mec? On s'en fout! Faut qu'on part d'ici! Oh non, 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 pas dans le parc! Elle nous tire dessus! Non, sans blague! Accélère! Ah! Désolé pour la corbeille de fruits! Ça avait l'air bon! Si vous vous étiez arrêté plus tôt, on n'aurait pas besoin d'avoir cette conversation! Laissez-moi m'occuper d'eux! Non! Ils ne doivent pas s'enfuir avec cet équipement! Oh super, les renforts! Wow! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous devriez vraiment penser à un changement de carrière! À moins que vous trouviez votre bon équilibre avec votre vie privée! Maintenant, arrêtez de voler des trucs, ok? Démolisse tout le quartier d'affaires! Jackson va encore s'en donner à cœur joie après ça! Attendez, vite, envoie les drones! Bien reçu, c'est parti! Hammerhead a des drones maintenant? Plus moderne qu'on pourrait le croire! On s'attaque à sable. Je l'aide ou pas? Allez, ouais.
n'y a pas de malentendu. J'essaie de vous aider, là. Ok? Fichez le camp. Avec toi. Victor. Eh, ça doit être comme ça qu'on dit merci en cimetière. Bon, maintenant, le dernier camion. Hammerhead. Si je parle, je suis mort. Alors allez vous faire voir. Écoutez, on cherche la même chose. Si on travaille ensemble, on l'aura. Croyez-moi. D'accord. On travaille ensemble. Partenaire. Ouais. Partenaire. Donc on s'appelle ? Bon, soit elle sait pas communiquer, soit c'est un robot. Il y a trop de monde ici. Je pourrais jamais m'approcher dans cette tenue. Je devrais enlever mon costume. Voilà. Comme ça, j'ai l'air d'un New Yorkais normal. Et ce serait pas le truc qui a eu 3 étoiles dans le Bugle la semaine dernière ? Ça expliquerait la foule. C'est la mienne ou la tienne ? La mienne. Ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Ok, dis-lui qu'on arrive. Eh, viens, faut qu'on fasse une course pour Tommy. Maintenant ? On est presque arrivé, là. Ouais, je sais, mais... amène-toi. Une course à faire pour Tommy ? C'est sûrement des hommes d'Hammerhead. Je ferais mieux de les suivre. Mais pas trop près. Et sinon, qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse, Tommy ? On récupère son ordi. Il a dû le laisser dans sa bagnole. T'es sérieux ? Et pourquoi il va pas le chercher lui-même ? Parce qu'il a peut-être demandé de faire un truc plus important. Il y a quelqu'un qui nous suit. Reste cool, Pete. Reste cool. Ah non, je crois pas. Et il est où, le boss, d'ailleurs ? J'en sais rien. Mais Tommy doit le savoir. Ils sont proches, tous les deux. Ah, enfoiré de Tommy. En vrai, c'est moi qui devrais être le plus proche du boss. Ok, si tu le dis. Eh, ce gamin, on l'a pas déjà vu quelque part ? Oh, waouh ! Une nouvelle vidéo de chat. Il faut absolument que je vois ça. Les jeunes, ils se ressemblent tous. C'est aussi lui qui a trouvé le plan pour choper cette carte de sable. Ouais, ça marchera jamais, son truc. Faut voir, il paraît pas si mal, son plan. Et si on la chope, on aura le reste de son matos. Alors, t'es du côté de Tommy, toi, maintenant. Je vois le genre. Bon, faut que j'aille parler à Sal. Empêche les gens d'approcher pendant ce temps-là. Ouais, ouais, c'est ça. Putain, enfoiré de Tommy. Je suis pas assez prêt pour entendre ce qu'ils disent. Si je peux pas aller à côté, je peux peut-être aller au-dessus. Il faut pas qu'on me voie. Je peux pas escalader les murs devant tout le monde. Personne me voit ici. Je peux grimper sur le toit. Si je me place au-dessus d'eux, je pourrai les écouter. Je dois atteindre cette ruelle. Elle est pas bonne, celle-là. Le mec s'y voit déjà. Ah, il est tout juste bon à me cirer les pompes. Ouais, et encore. Enfin bref, Tommy m'a dit qu'il voulait son ordi. Doit y avoir des trucs importants dessus. Bah, c'est à ça que ça sert. On l'a garé en C3. Ok, C3. Si je trouve l'ordinateur de Tommy, je saurai peut-être où se cache Hammerhead. Merci. Oh, au fait, je t'ai pas... C'était très intéressant, mais ça ira comme ça. Spider-Man, mettez-le !
Attention ! Je vais te crapouiller ! Oh merde ! Tu joues pas dans cette catégorie ! Comment il a fait ça ? Bon, il est où cet ordi ? Bien le bonjour, ordinateur de Tony. Voyons si j'arrive à le pirater. Et bingo ! On dirait qu'il a installé une appli pour localiser son téléphone. Dis-moi où tu te caches, Tony. Salut chérie, c'est comment au bureau ? Beaucoup de boulot. Je suis à fond dans mes recherches sur la Sim Carrie. Je te retiens pas longtemps alors. Son info était bonne. Je me dirige vers un des bras droits d'Hammerhead. Il sait probablement où se cache son patron. Génial. Un des types a aussi parlé d'un piège tendu à sable. À ton avis, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que cette bande de machos de la Magia se sent menacée par une femme forte et pleine d'assurance. Ok. Désolée, Pete, faut pas m'en vouloir. C'est juste que je suis sur un planning tendu, là. Ok, je comprends. À plus tard. Hey, ça roule ? Non, je ne sais pas quand elle arrivera. Tenez-vous prêt, c'est tout. Voilà, Tony. Je suis pas sûr que ça suffise. Double la sécurité. Eh ben, réaffecte-les, c'est ton job. Je devrais pas avoir à te le dire. Spider-Man, la prochaine fois que tu vois Sable, dis-lui que mon boss aimerait bien lui parler. Je veux bien. Mais elle m'écoute pas vraiment. Elle écoute personne, en fait. Donne-moi l'adresse. Hein ? Mais d'où ? L'adresse ! Bâtiment Colexco, sur le toit. Non, attendez, c'est sans doute un piège. Sable, vous foncez dans un piège. Peu importe, du moment qu'Hammerhead est là-bas. Vous comprenez pas. J'essaie seulement de vous aider. Je peux me débrouiller toute seule. Oui, je sais. Mais Hammerhead s'est servi de votre projet Olympus pour... Je sais. Alors vous savez qu'il s'est transformé en une sorte de Frankenbot géant ? Raison de plus pour l'arrêter. Mais pas comme ça ! Pas en se jetant dans son piège ! Oh, Sable, qu'est-ce que vous faites ? Alors, un piège ! Si seulement quelqu'un nous avait prévenu ! Oh, je peux me débrouiller ! J'ai presque envie de m'asseoir et d'admirer le spectacle, mais ce serait mesquin. Ils l'ont piégé avec la technologie. Apparemment, tout le système est alimenté par ces générateurs. Ada ! Tout va bien, Sable ? Ou Silver ?
Non, parce que j'ai un doute, là, tout à coup. Comment il fait ça? Comment vos amis vous appellent? Ah, pardon. Vous n'avez pas d'amis, je suppose. Et je parie que vous en mettez en plus. Baissez-vous! Bonjour, pour vous. Voilà! Bougez pas le temps que je m'occupe des autres. Hein, bougez pas. Assez. Vous savez, il est scientifiquement prouvé que parler de ses sentiments aide à réduire le stress et les sautes d'humeur. Maman, moi je dis ça, c'est vous qui voyez. Ok, le dernier. Et voilà. Allez, ils sont encore d'ici. Non. Si on reste ici, alors elle viendra à nous. Je crois pas que ce soit une bonne idée. Butez-le. Je change de position. Continuez! Faites comme si j'étais pas là! Tu vas crever! Tu pensais vraiment que j'étais morte? Comment tu m'as retrouvée? Eh ben, j'ai fait comme elle. Méfie-toi. Cette fille est complètement parano. Et depuis quand tu m'espionnes? Nous espionnes? Assez longtemps pour savoir que tu fais une erreur. Hammerhead est devenu trop puissant. Tu crois vraiment que j'ai le choix? Tiens.
Attends. C'est un... Là-dedans, tu as tout ce qu'il faut savoir sur cet horrible... truc. Désolée pour tout ce que je t'ai fait. Maintenant, on est quitte. Encore une chose. Sa tête. Elle n'est pas si solide que ça. Adieu, Felicia. Voyons ce qu'on a là-dessus.